Salut petits enfants, c'est Papinogo. Et oui, aujourd'hui, on fait la boîte news pour le mois de novembre un peu à la bourre parce que j'étais parti quelques jours me ressourcer. J'en avais grandement besoin, j'ai pas été satisfait des deux dernières vidéos que je vous ai présentées pour des déballages. Donc, alors ce mois-ci, comme je vous en avais parlé lors du mois précédent, autant pour moi, j'avais fait une petite capsule sur une association dont je fais partie, la Confrérie des Arcanes. Et donc ce mois-ci, aux alentours du week-end du 11 et du 12, comme vous le voyez sur l'affiche qui est juste à côté, ils font leur nuit du jeu. Je serai présent. Je ferai une petite capsule, voire deux petites capsules, de manière à ce que ça ne soit pas trop long pour voir ce qu'il y avait. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Donc je remettrai sur la barre de commentaires en dessous, ou la barre à blabla, comme j'aime à l'appeler, les coordonnées et venez nombreux si vous êtes si vous passez par Bourges. Voilà. Donc sinon, pour mes déballages ce mois-ci, il y aura des petits jeux. Je vais commencer par celui-ci. Rock, voilà, donc Wix que je mette bien là-bas. C'est un petit jeu qu'on m'a offert. Donc pour mon anniversaire qui avait lieu le 28 septembre, voilà. J'essaierai d'avoir la personne avec moi pour le déballage du jeu. Et tant qu'à faire, on fera une totale quasiment d'un bloc en deux vidéos, découverte du jeu et bien sûr explication des règles, mise en place et une petite partie. Voilà. Après, deuxième jeu qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, celui-là je l'avais testé, donc c'est Baggy Dog, voilà. Là, que je mette bien sa propre, voilà. J'avais bien aimé le concept de jeu là, et je le ferai avec la personne qui m'a offert le jeu. Ça me paraît logique. Pareil, ça sera une deuxième vidéo où je ferai intervenir quelqu'un pour lors de mes déballages. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, ceci, c'est un jeu qu'on m'avait donné il y a un petit moment. Je l'ai testé récemment aux couleurs du jeu, lors d'une soirée. Timeline, voilà, je vais vous le mettre en gros plan, voilà, donc tout emballé. Je l'avais trouvé sympa de chercher les dates et ça permet de faire fonctionner un peu sa mémoire, donc je trouve que ça a ce côté un peu ludique. Donc ça aussi, je vous le ferai découvrir. Après, dans des jeux que j'ai achetés ce mois-ci, alors qu'est-ce que nous avons? Donc on me l'a conseillé parce qu'il était pas trop mal, donc le septième saut, que je vous présenterai en déballage. Qu'est-ce qu'on a donc? Les châteaux de Bourgogne, le jeu, je vais appeler ça le jeu de cartes, voilà. Donc c'est un jeu Ravensburger. Il y a un mode solo. Comme j'aime bien aussi faire des jeux en mode solo, voilà. Et ça me permettra de découvrir ce jeu qui est pas trop mal. Et d'après certaines personnes, c'est mitigé. Donc ça aussi, je vais vous le faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi vous faire une partie en mode solo. Voilà. Et bien sûr, l'un des jeux que j'attendais. Et là, je remercierai, parce que je suis un peu duré le plaisir, ça me paraît normal. Donc je vais remercier Maurice Lapierre qui l'avait fait en déballage. Et bien sûr, un autre youtubeur que je suis, le Culte du Dé, qui en a fait une partie. Voilà. C'est chez eux que j'ai découvert ce jeu-là. Vous voyez, il y a un truc qui s'appelle Cthulhu, et c'est le Pandemic Cthulhu. De tous les pandémies, même si c'est. Voilà, on va se mettre là, voilà, tous les deux, voilà, je ne savais pas comment le mettre. Même si c'est un jeu que je ne suis pas spécialement attiré par le fait que ça soit du pandémie, pourtant c'est de très très bons jeux, la saga des pandémies. Il n'y a que le Toutboutien, bien sûr, hein, Toutboutien quand tu nous tiens. Ah oui, blague de merde. J'en connais quelques-uns qui vont avoir les tentacules qui frémissent. Et bien sûr, je vous ferai des parties mode solo de certains jeux que j'avais déjà fait en déballage des mois précédents. Donc il y a le fameux
FG a sorti ce truc-là avec le mode solo. Donc, je ne prendrai pas deux des factions que vous voyez qui ont déjà été prises par Etrigan et un autre YouTuber que je suis, qui eux se sont servis déjà de certaines factions. Moi, je me servirai d'autres factions. Peut-être même, comme j'ai l'expansion, je prendrai peut-être l'équivalent des Japonais ou des Écossais. Parce que c'est deux peuples que j'apprécie, en plus des Nordiques. Donc par rapport à ça, je pense que je partirai sur une de ces deux choses-là, et puis ça permettra de voir une aventure avec une expansion. Et on me l'avait demandé. Donc j'ai prévu de vous faire quatre vidéos de partie d'Anachronie, une avec le mode solo. Donc en ce moment, je révise mes classiques avec quelques youtubeurs qui ont déjà fait des parties pour faire une partie sans erreur. Il y aura la partie du jeu de base, et comme on a deux petits plateaux d'expansion, je vous ferai une partie avec chacun des deux plateaux d'expansion de Anachronie. Donc j'espère pouvoir vous boucler tout ça ce mois-ci. Sinon, eh ben, ça sera dans le courant des mois. Et j'avais oublié aussi Marenostrum, que j'ai eu la flemme de sortir de ma zone sainte de jeu, voilà, nous appelons ça comme ça. Et peut-être Sanctuary, j'avais fait le déballage il y a un petit moment, je me suis rendu compte que j'ai toujours pas mis la vidéo. Donc je vais certainement vous proposer une partie de Sanctuary. Il y aura aussi une partie des contrées de l'horreur à venir et une partie du signe des anciens. Pour les parties, ça sera en aléatoire de mon bon vouloir. Mais tout ça sera prévu dans le courant du mois, certainement peut-être mois de décembre et peut-être mois de janvier, en alternant avec d'autres jeux. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de ma break news de ce mois-ci. Donc, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez voir ben, l'évolution de ma chaîne, ou voir quand je fais mes parties, ben, abonnez-vous. Allez, à bientôt. Bisous. Bah. Bah.